Bonsoir les cœurs, bonsoir à tout le monde. La 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 la. Sauf que gérer sa télé. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la PDG TVO. Loulou, loulou, partagez, partagez les cœurs, partagez les amours. La 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 de retour. La la est de retour. La la est de retour. La mafo est Fleur de Lille est de retour. Ici la PDG TV. Ici la PDG devant le 7. Ici la PDG TV devant le 7. Tout nous nous nous. Ouais, quelqu'un me dit que la chanson du journal. La 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 la, TDG. Le journal du soir. La 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 la, ma copine. Ma copine, ma mère, pépé. La maman, pépé, et ma copine. Je te fais des bisous compressants. Mengwe swengandar mama pepe. Mengwe swengandar mama pepe. Mengwe swengandar choukre choukre. Mengwe swengandar choukre choukre. La chanson de la PDG TV pour commencer le journal. Mengwe swengandar mama pepe. Mengwe senganda ma guilaine chapui. Mengwe senganda mes abeilles. Mengwe senganda mes abeilles. Alovo wana. Alovo wana ma abeille. Alovo wana ma. Je voulais vous dire, je vous aime. Je voulais vous dire, je vous aime. La 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 la, les abeilles. Partagez-moi le direct. Le direct. Je veux taper le salam. Je veux le taper le salam. Mais ouais, Nganda, maman perpé. Mengwe senganda mama pepe. Masolo yu choukre choukre. Asalo yu ma choukre. Asalo yu ma abeille. Asalo wana ma abeille. Je salue mes abeilles. Je salue Rebecca Alan. Je salue Rebecca Alan. Je salue Ange Mafo. Merci pour les étoiles. Merci pour nos étoiles. Je voulais vous remercier pour hier. Merci pour les étoiles que vous m'aviez données. Je vous ai remercié. Asayundo les miondo. Asalu yore miondo. A remercie wana for my everything. I wanna remercie. Mechani we te pesa. Mechani kwaze te pemi. Asali boku Nicole a cœur ouvert. Asalu bébé, 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 mon bibon. Je salue beaucoup, je remercie. Merci ma petite Lionne. Tu es ma fille, tu as vu. Mais quand tu as donné les éloges, oh,
Tu as donné les éloges aux ténèbres dernièrement. Ici, on ne félicite pas les ténèbres. Ici, on ne parle pas bien des ténèbres. Quand tu es avec moi, tu parles pas des ténèbres. Je vous ai pas appelé d'être avec moi. Je vous ai pas appelé. Vous voulez parler avec moi. Mon nom, ne mettez pas les ténèbres devant. Les ténèbres sont les qui? Les ténèbres sont dans les sous-songos. Les ténèbres tombent dans les sous-songos. Les ténèbres sont les qui devant nous. Parce que je suis resté calme. Et vous croyez que ma voix a disparu. Me voici qui chante plus que la serpillère du peuple. Je peux chanter plus que la serpillère. Cette serpillère, je peux chanter plus que la serpillère. C'est de ça qu'on n'apprécie pas les ténèbres ici. La lionne, on ne parle pas bien des ténèbres. Les ténèbres. On n'apprécie pas les ténèbres. Je dis que je peux passer à The Voice. Je passe à The Voice. Et je gagne la serpillère. Elle chante quoi? Elle chante quoi? Elle m'énerve jusqu'à... J'ai envie qu'elle vienne sur Facebook. Elle vient sur Facebook répondre à la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. Maman, je voulais seulement faire le commentaire. Donnez-moi le nom de l'artiste. Vous savez que moi, je vais dans les soirées, non? Donc, je rencontre les artistes. Donnez-moi le nom de l'artiste que tu farotes, tu gonnes avec. Vous comboyez. Quand un gars vient, il farote. C'est voir les gros biais. Elle dort avec toi, tu deviens son chou. Donnez-moi seul artiste camerounais qui est dans le vieux reste chez un arabe, chez un rebeu, c'est un algérien, soi-disant juif. Mais les gens confondent les choses. Hein? Les juifs peuvent même être noirs. Arrêtons de prendre les religions des gens pour se faire voir en haut. Dès qu'on vous provoque un peu, je suis avec un juif. C'est une religion. Oui. Donnez-moi un nom là, c'est bien que dès que tu farotes un peu, elle passe la nuit avec toi. Vous dormez ensemble. Donnez le surnom de l'artiste camerounaise qui tape les casseroles. Qui tape les casseroles. Quand tu donnes un peu, tu passes la nuit avec. Ça s'appelle le waka. C'est la pimenterie. C'est la pimenterie en solo, la pimenterie en plein air. Moi, je peux chanter. Hein. Vous venez d'écouter ma voix. Oui. Ma voix, vous venez d'écouter ma voix. Est-ce que je n'ai pas une belle voix pour être artiste? Oui. Il n'y a que deux artistes que je connais comme ça. Que j'ai vu. Deux artistes camerounais. Que j'ai vu. Deux artistes camerounais que j'ai vu. Camerounais, que j'ai vu. Que quelqu'un farote une nan le soir. Ils vont dormir à l'hôtel. Parce que c'est fesse gratte. J'ai vécu ça avec la serpillère de la nation. Dans la Bible, on dit que quand le corps va crier trois fois, le corps n'aura pas encore crié trois fois que ils m'auront déjà renié. La serpillère a fait, on a vu. Merci la baronne. La serpillère a fait renier devant tout le monde, on a vu. On appelle ça que quoi? Trahison. Trahison. Tu me fais honte.
Et l'argent, c'est quelque chose. Hein. Surtout le genre d'argent que tu ne fais rien de bon avec là. L'argent, c'est quelque chose. L'argent, c'est le diable. L'argent détruit. L'argent sépare. Mais ça ne peut que séparer et détruire ceux qui sont sensibles à l'argent, ceux qui sont tentés. Maman, vous avez une personne qui discute sur les partages d'argent. Une femme qui a sorti avec le... Une artiste qui a sorti avec les conjoints et les conjointes. Parce qu'elle est double sim. Elle est sortie avec tous les maris des artistes. Les shows. Puisque beaucoup là, elles ne sont pas mariées. C'est les gars. Bon, elles ne sont pas beaucoup, hein, qui ont les vrais maris. Oui. Il faut arrêter. Tu as fait mal aux Camerounais. On ne demande pas aux gens de prendre un camp. Moi, je ne comprends pas. On dit de s'indigner. Tu dis que tu as peur de quoi? S'indigner pas. Moi, je ne comprends pas. Ici, voilà la télé. Macron, il a 70% de Français ne veulent pas voir Macron. Ils ne veulent plus de lui. 70%. Et ça ne s'en cache pas. Il y a des émissions là. C'est Cantelou. On parle de Macron, on l'insulte tous les jours. Chaque soir. Oui. Chaque soir, on parle de Macron, ça ne fait rien. S'indigner ne veut pas dire que choisir un camp ou quoi que ce soit. Tu choisis un camp que tu connais quoi là-dedans? Hein? Quelqu'un que tu dis que ton frère, mon frère... Mais excusez-moi un peu. En fait, je ne comprends pas. Parce que je ne fais que regarder encore la vidéo, je ne comprends pas. C'est toi qui décides de garder le silence. Mais garde ton silence jusqu'à la décision, jusqu'à la fin du procès. Tu viens vomir, tu viens vociférer des conneries. Le diable s'habille en brada, c'est toi. Viens dire ce que tu as dit sur le nom de Paul Désir. Dis ce que tu as dit sur le nom de Paul Désir. Une artiste qui fait le Congo, ça qui peut détruire tout le Cameroun. Tu es une personne à qui on ne doit pas faire confiance. Tu parles de toutes tes sœurs. Tu mal parles de tes sœurs artistes. Mais quand tu es devant les gens, moi j'ai quoi l'impression que la Bible, ce que vous voyez là, il y a les gens qui touchent ça, ça les tourne le cerveau. Hein. Ton foulard est toujours là où tu connais là. Ton foulard est ta babouche Burberry. Ton foulard est ta babouche Burberry. Est toujours où tu connais là. Tu n'as pas encore récupéré. Tu n'as jamais récupéré. Tu sais où tu as oublié ton foulard et ta babouche Burberry, non? Une femme qui parle de la première dame. Quand je vais sortir le Congo, ça que tu as dit sur la première dame du Cameroun. Hey, maman, les gens vont dire que... Une femme qui parle de la première dame, maman, qui jalouse la première dame. Qui est jalouse de la première dame du Cameroun. Maman, tu avais dit que la première dame te doit l'argent des perruques. C'est seulement petit, hein. Tu avais dit que la première dame te doit l'argent des perruques. Et que tu avais la chance plus que elle. Mais elle est mariée au président de la République. Tu jalouses quelqu'un qui te dépasse. Qui t'a même aidé. On t'a interdit l'entrée à la présidence, ou c'est le ticket. Ou bien pour entrer là-bas à la présidence, il faut le billet, non? Le ticket d'entrée à la présidence. Tellement le Congo, ça. Tu jalouses la mère de la République. Tu avais dit le Congo, ça, qu'elle te doit 5000 euros des perruques qu'elle ne t'a jamais payées. Moi-même, je vois que ça. La première dame de ton pays, maman peut te devoir 5000 euros. Même s'il faut qu'elle achète les cheveux. Maman, c'est toi qui es sa chargeuse d'acheter, je ne sais pas. Hein? Et c'est toi qui t'appelles. Même la femme de Zonglo, là, tu la détestes. Tu ne l'aimes pas. Parce que sa place, c'est la place. Tu aurais voulu être à la place. Comment tu veux seulement arracher tous les hommes du Cameroun? Pourquoi? Tu postes Zonglo et sa femme comme si tu les aimais trop. Mais sa femme ne sait pas que tu as envie la place là jusqu'à ce que tu rêves. C'est-à-dire que tu aimerais être à cette place.
Mais trouve-toi un mari, bon sang. Le seul homme qui avait eu la pitié pour toi, t'a choisi. Malgré que tu chantais sur les micros des gens du gouvernement. Quand ils te croisaient, tu chantais sur les micros. Tout le monde passait comme l'autoroute. Il t'a quand même dit que je vais quand même laver l'honneur de ta famille pour te bringer en mariage. Tu as fait, il a quitté le Cameroun. Pourquoi? Tu es qui? Donc si tu étais à la place de la première dame du Cameroun, c'est que tu allais chasser tout le monde. C'est que tu n'acceptes même pas que quelqu'un entre et tout dit. Hein? Pourquoi? Tu connais quelque chose dedans. Tu connais. Tu connais quelque chose. J'ai dit que hein? Tu connais quelque chose dans. Tu connais quelque chose dans la disparition de Martinez Ogo, de ton frère. Vous êtes frère seulement. Vous aimez dire mon frère quand ça vous arrange. Tu connais quelque chose dedans. Tu n'es pas innocente. Parce que tu es le chuchu. Tu aimes bien te faire voir. Tu aimes bien parler derrière. Te faire voir. Faire comme si. Faire comme si. Même Bruno Bidjan, que tu fais comme si. Ne prononce plus jamais le nom de Bruno Bidjan. Il est marié. Ne prononce plus jamais son nom. Dès que tu vois un homme à Plakali, tu veux prendre le patron, l'ancien patron, le nouveau patron. Tu veux ramasser tout le monde. Lui, ne prononce plus son nom, c'est mon ami. Et il ne connaît rien dans cette affaire. C'est quelqu'un que quand tu tapais 5 km à pied pour aller supplier dans les bureaux et tu trouves le travail que le panier, soit tu vas soulever ton patron, maman. Tu vas seulement porter que le sac de ton patron. C'est comme ça que ça est. Il cherche au travail, non? Ça, c'est seulement quelqu'un qui est écopé. Tu vois un peu le genre que tu écopes derrière quelqu'un parce que tu avais la personne. Tu écopes. Mais si on cherche bien, non? Il ne connaît rien là-dedans. Et s'il connaît quelque chose, qu'il soit condamné. Oui. S'il connaît quelque chose, que la justice fasse son travail. S'il ne connaît rien. S'il ne connaît rien, il sera comme tout le monde, il sera libre. Il va revivre sa vie avec sa femme comme avant. Quelqu'un qui s'est marié, ça fait que un mois. Un mois. Un mois de mariage. Normalement, il devait être en train de faire ses noces avec sa femme, tout ça là. Si ça arrivait qu'il y a quelque chose, après les enquêtes, non, maman. Tout le monde saura ici sur Facebook. Mais en attendant, on dit qu'il faut s'indigner. La serpillère de la République. On dit qu'il faut s'indigner. Pas que tu commences à accuser quelqu'un qui est décédé. Oui, c'est qu'il n'avait pas compris. Toi, tu as dit quoi qu'il n'avait pas compris? Tu as dit quoi? Oh, il n'avait pas compris. C'est que c'est monté, c'est descendu. Oh, quand je conseillais, tu conseillais quoi, maman? Hein? Au lieu de parler de ce qui te concerne, que tu es là, tu fonctionnes seulement derrière pour cogner les têtes derrière, tu organises. Tu organises que derrière. Pourquoi tu ne marches plus avec l'autre blogueuse là? Hein? Pourquoi tu ne marches plus avec la blogueuse d'en face? Et tu as fait le Congo, ça c'est son nom. Tu crois qu'on ne sait pas, on t'a démasqué. C'est toi qui avais dit ici, tu vas aller à Vision 4. Oh, c'est monté, c'est descendu. Dès qu'elle a mis les pieds là-bas, tu as tourné le Congo, ça derrière. Ça s'est gâté entre vous, Nazan. Oui. Tu vois seulement, ça dit que toi, tu vois seulement que tout le monde te déteste. Non, pourquoi? On va te détester par rapport à quoi? Quand tu ne dépasses avec quoi? Devant moi, une soirée, on t'a embarqué en Belgique. On t'avait embarqué, le gars là. Il parlait comme s'il avait la bouche qui collait. Quand tu vois le gars, tu vois que c'est un gars, le genre de gars, qui est sale, non? Quand il parle, la bouche colle. La bouche collait. Mais tu es gonnant avec. Et poser les mains sur la tête que maman,
Une waka n'est pas seulement celle qui vend le piment au poteau. Il y a plusieurs catégories de waka. Maman, parce qu'une waka qui a tourné dans les bureaux des ministres, hein, maman. Même si elle chute, elle ne doit pas. Même si on dit qu'elle a chuté et que ça gratte. Hein? Même si on dit qu'elle a chuté et que ça gratte, tu peux sortir avec un gars que quand il parle, sa bouche colle. Mais tu as dormi avec. Tu as dormi avec. Et c'est vous qui donnez les leçons sur Facebook. C'est vous qui voulez montrer aux Camerounais comment vous êtes trop honnête. Tu n'avais pas de... Je vais dénoncer. Je vais dénoncer. On te voit. Je vais dénoncer. Hey, maman, un temps tu fais. Je vais dénoncer. Je vais dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Oh, c'est monté. Quand ça t'arrange, bien sûr. Quand ça t'arrange. Après, bientôt, on va te voir. Tu vas commencer à te faire hospitaliser. Tu vas commencer à faire que machin, tout ça. Là, on connaît là, ton plan. C'est le manga. C'est le ne pas. On te connaît. Si ça tourne, c'est le ne pas. Il n'y a rien derrière. Tu fumes bien les roulés. Tu fumes. Tu fumes bien le manga. Mais je me souviens à l'époque, Tchanya, c'est mon gars. Un de mes gars avec qui je sortais. Il avait les locks, je ne vais pas dire son nom. Un artiste, puisque Tchanya savait tous les artistes. Je sortais avec le gars là. Un jour, j'ai dormi avec le gars sur le lit. Quand je me suis levé, l'oreiller avait la couleur. C'est où je suis qui mettait le black sur la tête. Tu sortais avec lui. Tu ne peux même pas nier. Tu as sorti avec le gars là. Propre. Jusqu'à je dirais que comment est-ce qu'il peut faire l'amour sans les préliminaires. Sans commencer les préliminaires. Tu agnasses avec le gars là propre. Et tu étais toujours avec lui au téléphone que c'est ton ami. Quel ami? Quel ami? Tu agnasses avec propre. J'ai beaucoup de raisons de m'asseoir sur Facebook et dire que tu n'es qu'une holos. Tu n'es qu'une ancienne vendeuse de piments en retraite qui a fini sa vie, qui pleure si je ne savais. Puisque qui pleure que ouais. Si vous pouvez être ici comme ça, là, que je suis même déjà mariée, rien. Quand tu tournes à gauche, tu vois que, ah, tu vis tout là-bas depuis où tu es arrivé, enfin, tu as fait le tapé d'eau au manager de ton, producteur de ton mari, l'homme qui t'a amené en France, c'est là-bas que tu as fait le tapé d'eau. Tu as pris son producteur. Comme vous savez que quand il y a les watts, que quand il vieillit aussi déjà là, quand il n'a plus personne que désespéré, il se dit que celle-ci, c'est la prend, elle vient m'aménager. Elle me pousse. Travailler, personnes âgées, non, aide à domicile, déjà, tu l'aides. Tu le pousses, tu le déplaces partout. Sinon, pose-nous l'acte de mariage, on voit. Tu n'es pas marié. Et quand les blancs, là, quand vous calculez souvent qu'il est trop, il s'est monté, c'est descendu. Le jour qu'il n'est plus là, il fait donation. Parce que tu l'as tellement coquifié. Même si c'est que il n'arrive pas à Agnès. Même si c'est que quand il est sa mounon, déjà. Ça te donnait l'autorisation de le coquifier partout, partout. Tu l'as eu comment? Tu l'as eu comment? Hein? Tu l'as eu de quelle façon? Et c'est toi qui veux trop faire comme si tu étais honnête. Le père des jumelles, la personne la mange jusqu'à... Elle peut détruire tout un... Ouais, tu la connais même depuis, non? Puisqu'à l'époque où tu étais marié, pas marié, où tu sortais avec sa soeur, l'artiste. Tu te souviens qu'à l'époque même, elle a même failli sortir avec toi. La mère des jumelles, pardonne-moi, hein. Excuse-moi, sur l'autre là. Elle avait dragué le père avant. Mais vous n'étiez pas encore ensemble, hein? Mais elle a dragué. Oui, elle a dragué le père. Elle a dragué Papou à l'époque. On ne peut pas savoir s'il avait fait ou pas. Mais ce qui est sûr que chaque fois quand sa soeur là, puisque entre eux les artistes, il y a beaucoup la concurrence. Mais elle combat beaucoup sa petite, petite soeur. On a vu ici la vendeuse d'oignons, Mimbang, Coco Mimbang. Coco Mimbang. Quand elle pleurait les oignons ici, c'est elle qui fait la passation d'un ancien show à Mimbang.
Ça veut dire qu'elle prend son ancien show, elle donne à Mimban, à Coco Mimban. C'est où Coco Mimban commence à traiter avec. Après, maintenant, elle arrache encore. Puisqu'elle a vu que c'est elle qui a donné à Coco Mimban. Ils sont allés à l'ambassade. Après, ils sont allés boire un verre. Et c'est où elle passe donc le manager à Mimban. À Coco Mimban. Quand elle passe maintenant son manager à Coco Mimban, Coco Mimban va donc s'asseoir chez son manager où elle commence maintenant à faire la nourriture gratuite, où elle ne paye pas d'électricité. Elle ne paye pas le loyer. Loger, nourrir, blanchir, elle ne paye rien. Elle se sent princesse. Elle se dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. C'est comme ça que la serpillère donc, voit comment Coco Mimban. C'est où la chute de Coco Mimban? Oui, puisque Coco Mimban, avant d'atterrir là-bas chez la star, elle était dans le vieux, on reste. Coco Mimban est donc là-bas. Je vous raconte l'histoire vraie. Coco Mimban est donc dans le vieux, on reste avec le manager que la serpillère a fait la passation. Pendant que Coco Mimban est dans ce mariage où elle ne paye pas de facture, elle prépare sa sang sur l'appartement. J'avais déjà été là-bas la déposer, hein, attention. Je pense que c'était aller là-bas, soit récupérer un truc que j'avais commandé ou la déposer. Je suis allé là-bas. Donc, quand Mimban se rend compte que le gars commence à fuir le lit, le gars ne veut plus dormir avec elle. Déjà, Mimban, le gars restait avec Coco Mimban par pitié. Puisque quand il est avec Coco Mimban, il trouve que Coco Mimban est trop maigre. Quand il combo avec Coco Mimban, les côtes ici, regardez, quand il combo avec Mimban, il n'a qu'une position qu'il peut faire avec Coco Mimban. C'est en levrette. Il ne peut pas niaiser avec Coco Mimban en face, face sur face. Parce que Coco Mimban est tellement maigre que ses côtes, si un Joe monte sur elle, ça, elle appuie les côtes du gars. C'est comme si on était en train de te donner les coups de poing avec le coude. C'est comme ça que les règles de Coco Mimban faisaient donc sur le gars à les os. Le gars supportait par pitiation. Quand Coco Mimban, je ne sais pas ce qu'elle a raconté à Coco Mimban, c'est parce qu'elle lui a promis, soit elle lui a promis de lui ramener un ministre riche au pays, puisqu'elle a le mot là souvent qu'elle va présenter les personnalités. Je la connais. À l'époque, elle m'avait dit ça, mais comme je ne suis pas une bordelle, j'étais jeune, et comme je ne suis pas une bordelle, je ne suis pas tombée dans son piège, elle me dit comment les ministres viennent du Gabon, de... Oui, les pays en Afrique, là. Certains qui distribuent la maladie, full contact, là. Elle me disait comment je vais te présenter, nanani, nanana. Et elle dit ça à tout le monde, comment je vais changer ta vie. Quand vous regardez sa vie, entre sa vie et la mienne, et celle des autres, sa vie est quoi de... Sa vie brille trop, les gens. Elle a passé sa vie à acheter les habits. Et quand vous en voyez même les habits là, ce sont les habits de 39 euros, 49 euros, 59 euros. Comme elle est mince là, ses habits coûtent moins cher. Il y a quoi? Comme Mimban ramasse ça sur partout là. Et comme elle a la chance de connaître qu'un vrai styliste, elle achète ses tissus. Si vous voulez, vous donne là où elle achète aussi les tissus à Paris là. Elle donne là-bas. Elle ne paye même pas, elle ne motive même pas son frère que je vais payer un peu les tissus. Quand on veut parler un peu, quand j'étais mannequin, elle est où avec? Hein? Elle est où avec? Donc, Coco Mimban, alors, ça se gâte entre eux et elle demande. Puisque quand elle te présente quelqu'un, elle veut que tu marches à son rythme. Sinon, elle arrache la personne entre tes mains. C'est comme ça que la chute de Mimban commence. Oui. Elle dit au gars de Mimban. Parce qu'il y a les voix, hein. Ça se gâte. Mimban. Coco Mimban. C'est où ça se gâte. Ça chauffe d'abord dans les IB. Après, elle laisse les messages. Le gars dit, sors de chez moi. Elle commence à les accuser que les deux combos ensemble. À moi, Mimban m'a dit. Elle sort avec mon gars. J'ai dit, Coco Mimban m'a dit,
Que non, elle sort avec mon gars. Elle m'a présenté. Maintenant, elle reprend et tout. Et tu dis à Mimban que tu viens en France. Au lieu de chercher ton loyer où tu vas habiter et payer le loyer, tu vas habiter le gratuit. Quand tu habites gratuit chez quelqu'un, tu payes nature. Et encore, il y a des jours que tu as même donné nature, on te dit qu'on ne veut pas. Donc, depuis cette époque, Mimban devait chercher son logement. C'est où Mimban, vous entendez le voix, où Mimban dit que, hein, oh, je vais récupérer, j'ai pris les remèdes, j'ai jeté à la poubelle. Le voice là, elle envoie que à la chanteuse. Elle envoie qu'à la Sépien, son voice là. Elle n'a pas. C'est à la Sépien qu'elle envoie. J'ai jeté. J'ai pris ça, j'ai mis dehors. J'ai mis les remèdes à la poubelle. J'ai qui? Elle a commencé à faire genre, elle supporte trop. Elle supporte trop. Notre la diva des divas, Lady Ponce. C'est où elle commence à toi écrire, à relater les secrets que l'autre a dit, que l'autre a dit, qu'elle supporte, oh machin, tout ça. Puis ça, elle n'avait plus aller, mais j'ai fait ça. Bon, ce n'est pas un truc qui concernait Mimban, c'était juste une parenthèse. Pour vous dire à quel point cette femme te présente quelqu'un, elle récupère encore. Qu'est-ce qu'elle peut dire de bon? Elle ne peut rien dire de bon et elle n'est pas véridique. Quand vous voyez quelqu'un qui parle tout et rappelle toujours comment je suis vrai. Pour être vrai, ce n'est pas à toi de dire que tu es vrai. C'est aux gens de constater que tu es vrai. Mais partager au direct, non, il y a quoi? Je vais alors couper. C'est comment? Je suis en direct, vous ne voulez pas partager. Bon, je vais alors couper le direct. Je vais alors couper. Hein? C'est quoi ce comportement-là? La Sépien est jalouse de toutes ses sœurs. Et encore, même les artistes d'ailleurs. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle nous excuse. Oui, qu'elle nous excuse. En passant, hein, vraiment, vous allez m'excuser hein, parce que vous êtes toujours sur Facebook en train de vouloir trop dire que wow, machin, tout ça là. En passant, j'ai vu la conférence de presse. Comment? Oui, la conférence de presse du conseil du colonel Danwe. Du colonel. La conférence de presse du conseil du colonel. Qui est là-bas au CED. Mais je voulais juste envoyer un message à son conseil. La prochaine fois que vous voulez faire une conférence, nous sommes à la diaspora et nous suivons cette affaire de très, très près. Ça nous intéresse. Le monde entier. Le monde entier écoute. Le monde entier nous suit. Et les Camerounais veulent la justice. Les Camerounais veulent des coupables. Les vrais coupables, pas les coupables montés là. Oui, les Camerounais, le monde entier veut les coupables cachés derrière la disparition et le meurtre cruel de Martinez Zogo. Le monde entier attend. Quand les gens se lèvent le matin, et tape les journaux, et tape les chaînes de télé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les gens sont en attente. C'est-à-dire que les gens sont en train d'attendre, surtout que le président de la République a fait quelque chose du jamais vu. Le président du Cameroun a mis tout le monde, tous les Camerounais sont d'accord avec lui. C'est-à-dire que hein, pour la première fois, les Camerounais sont 100% d'accord avec le père de la nation. Oui. Et les Camerounais attendent. À fond. Donc, le président de la République a dit quelque chose. A fait quelque chose que tout le monde est d'accord. Nous sommes en attente. On veut les vrais coupables. Pas les coupables montés. Parce que l'affaire, si... J'ai peur que ça tourne comme ça, là, on cherche certains coupables juste pour calmer les gens.
On cherche certains coupables, jaja. Vous voyez un peu, non? Nous avons confiance à la justice camerounaise. Mais nous voulons les vrais coupables. Les vrais, vrais, vrais coupables de cette histoire dont les Camerounais sont en attente. Et nous, on va continuer à attendre. On va attendre cette justice-là. Le président de la République doit faire quelque chose avant de prendre la retraite. Oui, il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose pour que les gens sachent qu'on ne se lève pas un matin comme ça. On imagine prendre le pouvoir dans un pays. L'affaire là, non. C'est trop fort. Je disais que les avocats du colonel là, ils ont fait une conférence de presse aujourd'hui. Franchement, c'était l'ombrakata. La diaspora n'a pas compris. Hein. La diaspora n'a rien entendu de la conférence de presse là. La prochaine fois que vous voulez faire une conférence de presse, ou vous la faites, ou vous ne la faites pas. Le porte-parole d'abord, Iwati, c'est un benguis. C'est un benguis. On s'en fiche. Même s'il est un benguis, tant qu'il articule, qu'on entend, il n'y a pas de problème. Mais pendant la conférence de presse, nous sommes en train d'écouter. On n'entend rien. Les bruits du Benzkin. On dirait que la moto est en train de passer dans la salle. Et le bar. Et la chanson qui est en train de passer au bar. Mes chers frères et sœurs, ou bien les chers conseils d'avocats, la prochaine fois, hein, allez louer une salle de conférence dans un hôtel. Ça ne coûte rien. La prochaine fois que vous voulez faire une conférence de presse, respectez les gens qui vous suivent. Prenez une salle de conférence dans un hôtel. Ça ne coûte rien, même pour 2 heures. Vous faites la conférence là-bas. Hein? C'est comment? Attends, vous êtes en train de faire une conférence de presse. On entend la musique, la musique du bar qui est en train de faire. Franchement, non, ça nous a quand même déçus. On n'a rien compris de la conférence là. Au fait, la conférence de presse, ça servait à quoi? La conférence de presse, ça ne servait à rien. Coucou, ma baisse. José de la PDG, la vraie PDG du Canada. Congo ça piment chaud, chaud. Chaud, 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 chaud. Mes félicitations, tu es grand-mère pour la deuxième fois. Mes félicitations, c'est une grâce. Donc, c'était juste pour dire que la prochaine fois que vous voulez faire les conférences là, il faut faire la conférence pour dire quelque chose. Si ce n'est pas pour dire un truc, ça ne sert à rien, puisque ici, les gens sont occupés, ils prennent le temps pour écouter, et sous perdre le temps aux gens, je ne sais pas, on n'entend rien, le type articule, il y a tellement le bruit, les motos et les bars, franchement, au Cameroun, comment les gens mettent la musique dans les bars en pleine journée? En journée, il y a qui au bar? Je ne sais pas. Il y a besoin de musique dans les bars en journée. Il n'y a pas besoin de la musique. En ce moment, on veut le calme. C'est ça. On ne veut pas. Non, quand on veut écouter les vraies choses là, les autres trucs, ça ne nous intéresse pas trop. Nous sommes que concentrés sur ça. Justice pour Martinez Ogo. Point. Sans accuser qui que ce soit. Hein. On accuse personne, on veut seulement la justice. Oui. Et que les manipulatrices là, qu'elles arrêtent de venir parler n'importe quoi. Qui s'excuse, s'accuse. Comme a fait la Serpillière. Combien de fois elle a mis les photos des gens pour les soutenir ici là? Combien de fois? Pour soutenir les gens qui n'avaient aucun problème. Un jour elle a souhaité joyeux anniversaire à Kamwa, non? Il avait la blessure, non?
C'était un soirée d'anniversaire. Mais quelqu'un meurt. Mais alors, tu ne mets pas. C'est comme si on va seulement te supplier, non? Ma foi, on attend tout ce changement. Allez d'abord marcher pour la lumière. Le changement de quoi? Vous êtes bien comme ça, non? C'est quoi? Mes amours, je vais dîner là. Je vous laisse. N'oubliez pas blessé de guerre dimanche. Le gars accusé va intervenir. Il va donner sa version. Il va donner sa version des faits. Il a envie de venir. Il va parler quoi? Le président Chop. Frais-le. Frais jusqu'à demain. Chaud jusqu'à. Vous comprenez, non? Donc, les gars, les filles, restez connectés. C'est qui? Hey, Choukré! Hey, Choukré à la télé avec Makoso. Hey, Choukré! Choukré du sucre. Voilà Choukré. Comment Choukré? C'est comment se filtre ta? Hein? Ok, comment tu es comme si y'a le Jansan comme ça? Hein? Le filtre ta. Non, Choukré, frère. Non, c'est vraiment toi. Tu veux saboter que la première dame ne doit que la première dame ne va jamais croire. Hein? Ceux qui savent qu'on lui donnait l'argent pour acheter les choses, c'est eux qui savent. Moi, je suis là-bas. J'ai dit que le Congo, ça non. Toi, quand tu parlais, dis que pourquoi elle avait mis quelque chose dans le lait de toilette de sa soeur, qu'on lui avait donné l'argent pour acheter le Jansan. Demandez-lui que qu'est-ce qu'elle avait mis dans le Jansan, dans le lait de toilette. De sa soeur, une artiste, sa soeur artiste qui chante plus bien que elle. Demande-lui que pourquoi qu'on a donné l'argent que sa soeur avait donné le lait de toilette. Pourquoi elle a mis les choses dans le lait de toilette là? Pourquoi elle a mis les choses dedans? Il faut demander non. Tu parles de quoi là jusqu'à dire que wow, tu veux seulement le sabotage, qu'elle m'apporte quoi? Elle a mangé sa chose. Elle peut me nourrir. Elle a quoi? Elle a quoi au Cameroun a vu? Jusqu'à tu me dis que la jalousie papa, quoi, mais elle est dans le vieux, on reste. Jamais mariée depuis qu'elle a main. Moi j'étais mariée à un blanc. 20 ans de mariage. Je m'appelle Flore Chevalier. Une femme officiellement mariée par le quartier. Elle est mariée à qui? Oh. Tu veux ses manques. Maman, que ça sert à quoi? Là où elle est entrée, je ne peux pas entrer. Merci Seigneur, parce que c'est la sorcellerie. On t'a dit que moi, je peux. Va prendre les cordes, tu t'attaches avec avant de venir me parler. Jalousé papa à quoi? Hein? Attends un peu, je vais lire un peu. Quelqu'un, attends, je lis un peu un commentaire. Hein? Que je n'ai pas accompagné qui. Donc, ma part de mère hospitalisée à l'hôpital, là. Comme ça, je la vois le matin, le midi, je fais là-bas lui donner à manger. Je vais m'occuper d'elle. Donc, je vais laisser ma mère. Que Dieu merci. Qu'elle a même eu ses mains. Elle a même ses mains eu le malaise quand j'étais même encore présente. Donc, je vais laisser ma part de mère qui est vivante, malade, pour aller au Cameroun. Parce que je vais me faire voir dans le deuil. Ben non. La personne qui est partie est bien partie. Paix à son âme. N'a pas souffert. Dieu seul sait. N'a pas souffert. Mais la mienne hospitalisée dans le lit d'hôpital. Donc ne viens pas me dire que je ne suis pas partie au deuil au Cameroun.
Franchement. Mais vous avez quand même des... Mais vous êtes quand même culotté, hein. Mais vous êtes vraiment culotté, hein. Toi, tu viens me reprocher que je ne suis pas allée au deuil, au Cameroun. Mais attends. Franchement, sérieux, quoi. Il faut arrêter. Donc, je t'ai répondu. Donc, laisse-moi les conneries que tu racontes, là. Tu vois un peu. Moi, je veux qu'elle vienne parler pour que je fasse des révélations. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis même, qui la calcule? Personne. C'est juste parce qu'elle a fait une sortie. Et quand tu fais une sortie, les gens ont le droit de parler. C'est tout. Fait qu'il bagarre avec ses parents, mon frère. Ouais, maman, vous êtes terrible. Hein? Les gens vont au Cameroun faire leur chantier. Profitez pour faire le chantier. Vous dites que, wow, qu'on est parti pour le deuil. Ben oui, la personne est bien partie, accompagnée de ses enfants, de sa famille. C'est une très bonne chose. De ses vrais amis. Parce que sinon, c'est qu'on part au deuil. Quand on part au deuil, on est en cabas. Un deuil qui te concerne, tu es en cabas. Tu t'habilles selon le deuil. On part pas au deuil au Cameroun avec les talons. Je suis désolée. Et quel genre de talons? Les talons d'hiver. Est-ce qu'on part au deuil au Cameroun avec les talons d'hiver? On part au deuil au Cameroun, même si tu viens de l'Europe, mais au deuil, on connaît les qui pleurent, les gens qui ne pleurent pas. Même l'accoupement peut montrer ceux qui veulent se faire voir et ceux qui sont en train de pleurer le vrai deuil, mes frères. Le Cameroun qui chauffe comme quoi, là, on porte le cuir, maman. Moi, il y a le milliardaire, toi, tu es encore là. Chance à elle, non. Pendant qu'elle sera avec son milliardaire à faire les salades, le jour où son mari va m'inviter, je peux être là. Et puis, je l'aide. Il n'y a pas de problème, je suis une grande, je suis un cordon bleu. Tu n'as rien à dire. Le bim, là, te fait mal. Le bim, c'est quoi? C'est quel bim comme ça, chérie? Quel bim? Comme elle est passée sur le père des jumelles. Donc, ça me fait mal. Ah! Oh, Colo, vous voyez la jalousie partout. Hein? Je jalouse une personne qui n'a rien. Donc, en fait, hein? Donc, je jalouse une personne qui n'a rien. Qui est lent et lent, maman. Qui n'a même pas pu construire une belle maison à ses parents. Pour, ça dit que, comme on dit qu'une femme va faire vendre le piment pour honorer sa famille, pour aider. Donc, toi, tu me dis de... Quand, elle n'avait même pas acheté le terrain. Ça dit qu'une personne, qu'ils ont tout un village. Elle avait seulement à écarter, comme d'habitude. Attirer quelqu'un que consomme ma part ici. A été incapable. Ça, la vieillesse qu'on fait... elle va faire quoi? Jusqu'à tu dis que... On jalouse quoi? Faut arrêter ça, hein? Vous manquez souvent, toujours... Ça dit que vous manquez souvent de la boucler, quoi. Il faut souvent la boucler. Personne qu'on tape encore les tam-tams là-bas, son propre frère, qui a tellement mais combattu son propre grand frère, le chef de famille, jusqu'à depuis quand une femme hérite. Une femme est chef de famille en Afrique, quand il y a les hommes, non? Hein? Combattu si tout le monde a vu. Que vous êtes jalouse. Il y a qui dedans? Propriétaire d'une villa à Bastos. Il y a qui là-bas sans location? À Bastos, hein? Nous, on ne connaît pas. Et on veut connaître. Parce que bientôt, chaque Camerounais va commencer à afficher ce qu'il a.
propriétaire d'une ville. Il y a Bastos, c'est Bastos. Il y a Bastos et Lobby, hein. Tu parles quoi que Bastos? Il y a Bastos et Lobby. Il y a Bastos, marécage que tu as en haut, tu vois là-bas, que machin, tout ça. Pardon, ficher le camp aux gens. Oui. Allez lui dire. Qu'elle dit qu'elle est bien traître. Qu'elle est une mauvaise personne. Que sa propre mère l'a renié. Tout le monde a entendu. Son frère l'a renié. Tout le monde a entendu. Les chefs du village ont même prié sur elle. Qu'elle a au Bénin cherché au caleçon, le string qu'elle avait pris, le caleçon qu'elle avait pris pour amener là. Vous venez prononcer le nom des gens. Bastos, tu parles à la maison rose là-bas où on mange 50-50 là, à la briqueterie. Là où il s'aligne pour aller faire les marabouts là. Hein? Là où elles vont faire les marabouts là. Et la vie ne chante pas, ne change pas. Et la musique même ne fait rien. Toujours les mêmes choses. Vous pensez un vrai. L'artiste qui est. Vous pensez que dit qu'on est artiste, c'est sorti 50 clips. Tu sors une chanson, mais qui donne? Oui, ce n'est pas que. Et voilà. Quand ça ne va pas, on prend les anciens trucs qu'on remet. Fichez la paix aux gens, dis donc. Vous me la bouclez sur ce. Rendez-vous dimanche. Si j'ai le temps, je viens encore, je fais le direct. Je vais même faire le direct sur qui est. Il y a qui m'a cherché les problèmes. Il y a qui m'a cherché les problèmes, s'il vous plaît. Donnez-moi la liste. Donnez-moi la liste des gens sur qui on va faire les lives. Hein? Donnez-moi la liste des noms. Donnez-moi la liste des noms. Ma faut parle nous de Siaka. Ah, il va passer. C'est un blessé de guerre. Mais bon, lui là, il ne veut pas trop. C'est pas intéressant. Un gars qui se couche au lit avec le caleçon percé. Le divin ne va rien rapporter, dis donc. Merci pour les 400 étoiles. Hein. Ça ne va rien apporter. On va parler de qui sont de noter la liste des noms. D'accord, je te rappelle, ma chérie, je te rappelle. Oh, le Congo, ça, oh, maman. Non, il ne veut pas manger. Il fait mon poisson braisé, là. Depuis quand? Je mange, je finis la tête aujourd'hui. Sur ce, mes cœurs, bonne nuit. On se dit à bientôt. Il y a une ici. Hein. Regardez comment les gens font la dépression avec mon nom. Il y a une. Regardez, je compte les messages parce qu'elle veut faire écouter sa part. Hein. Un soir, dès que j'ai le temps. Elle fantasme sur Samuel Eto'o. C'est une femme, ça dit que c'est une personne qui fantasme sur le 9, les 9. Voilà ça. Voilà. Elle fantasme sur lui, c'est-à-dire qu'elle me laisse les voix comment c'est son gars, c'est son mari de rêve. Elle m'a déjà laissé écouter les messages. Combien de messages elle m'a laissé? Je vais compter. Elle fantasme sur le grand neuf. Je compte les messages. Elle prend tout ce qui le concerne. Je compte les voix qu'elle m'a déjà laissé. Je tourne la caméra. Hein. Vous-même, vous allez voir. J'ai seulement dit que dépression, c'est tout. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Je vais faire un direct spécial pour elle. J'ai mis ici que Blanche dépression. Parce que moi, je sens que c'est la dépression qui la dérange. Elle prend les choses sur Internet. Elle m'envoie les choses de Dieu. Elle m'envoie les voix. On va compter par compte. On commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça, c'est que les vidéos hein, qu'elle m'a envoyées. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11 vidéos, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14 vidéos. Maintenant, compte le nombre de voix, parce qu'il n'est même pas encore écouté.
Je vais vous montrer. Regardez mon téléphone. Ça, c'est elle. C'est elle. Regardez. Regardez. Je n'écoute même pas parce que hein, j'ai pas moi le temps. Regardez. Regardez. Je lui ai dit qu'elle va t'exposer sur Facebook. Regardez. 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 Elle. Elle fanta. Donc, le nombre de voix qu'elle m'a laissé, que je n'ai pas encore écouté, parce qu'on dirait que sera long. Ah, vous ne voyez rien. Je pense que le voice, ouais, comment vous dites que vous ne voyez rien? Attendez, je vais tourner. Vous allez voir un peu. Attendez, je tourne, vous voyez. Vous allez comprendre que Ambeng, les gens dépriment. Quand Ambeng, il y a la dépression. Regardez. J'ai mis ses manques blanches dépression. Elle n'est pas une blanche, c'est une Camerounaise. Parce qu'elle voulait là trop m'appeler. Je lui ai dit que laisse-moi le voice, maman. Je n'ai pas moi le temps pour trop écouter. Ma faux, tu connais Mathieu Debron. Je vais vous raconter. Ça fait combien de temps je suis en direct? Son direct, c'est demain. Je vais parler de ça demain. Regardez une personne qui déprime. Moi, je vais aller manger et je vais dormir. Demain matin, il faut que je sois à l'hôpital. Ouais. J'aime pas qu'un sujet là comme ça on appelle. Regardez la femme là, celle qui m'envoie. Regardez, c'est elle ici. Elle m'envoie comme ça. Elle parle que épouse de Eto. Blanche Neige, épouse de Eto. Regarde, elle m'a appelé, ne décroche pas. Regardez. Regardez. Ça, ce sont les voices qu'elle m'a laissées. Regardez. Tout ça là, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Je n'ai même pas encore écouté. Tantôt elle m'insulte. Tantôt elle dit que oh, elle m'a envoyé ses médicaments qu'elle prend. Où c'est les médicaments, c'est quoi, je ne connais pas. Elle m'a envoyé même la photo des enfants. Des enfants, soit disant que ce sont les enfants qu'elle a avec le neuf. Je ne connais pas. Que ce sont les enfants qu'elle a avec lui. Je mets juste la main pour cacher. Je vois. Les gens, ils ont dit que. Les gens fantasment sur papa et tout jusqu'à... Celle, si tu sens, les enfants ne ressemblent même pas au... J'ai dit que les enfants ne... Elle dit que les jumeaux avaient le neuf. Les enfants ne ressemblent même pas à papa. Papa et tout. Elle m'envoie les messages. Regardez. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette femme. Qui la connaît? Vous la connaissez? Quelqu'un connaît cette femme? Non, je demande seulement si... Non, si vous la connaissez, dites-lui qu'elle me colle la paix. Quelqu'un la connaît? Elle dit qu'elle est la femme de Papa Eto. Qu'elle est de Nieubel. Quelle est la femme que Papa Eto a choisi? Qu'elle est de Nieubel. La voici, hein. Quelqu'un la connaît? Et fait le code sur mon téléphone. Je ne sais pas si quelqu'un, il y a quelqu'un qui la connaît. S'il y a quelqu'un de Nieubel qui connaît cette femme. Elle me harcèle. Voilà. C'est elle ici. Regardez. C'est elle là. C'est elle ici. Elle a commencé par m'appeler. M'appeler, laisser les messages. Regardez. Elle m'envoie de ces choses. J'ai compris que c'est une personne qui est... qui n'est pas bien. M'envoyer comment papa est au danse. Voilà ça. Que le voilà qui est en train de danser mal à la tête. Elle m'envoie les voices. Elle envoie les choses de Jésus. Elle envoie les trucs. Regardez. Elle dit qu'ici. Elle parle de Vemba. Elle tourne. C'est où j'ai compris que celle-ci, elle a les problèmes d'alcool en bain, comme nous tous. Pauvre papa est au, tu souffres dans les mains. Regardez. Je ne sais pas. Et après, elle m'a envoyé. J'ai demandé que c'est elle ici. La photo là, regardez. Tout ça, c'est elle. Je lui ai dit que je vais mettre sur Facebook. C'est ma deuxième maman. Elle s'appelle, voilà ça. Que comment c'est sa deuxième mère. Elle est soumise envers moi, car quoi. C'est ça. Elle dit que la mère de Eto, c'est sa mère. Hein? Elle prend sur Facebook. Hein? Ce n'est pas la photo, c'est que sa mère l'a postée pendant la canne. Hein? Au Qatar. Voilà, c'est elle, hein. Elle me laisse tout ça comme message. Tout ça.
Mes gens, je souffre. Je souffre dans les mains des fumeuses de Mbanga. C'est elle ici. Elle a dit que voilà les enfants qu'elle a avec papa. Papa et tout. Elle dit que ce sont les enfants, les jumelles ou c'est les jumeaux. Elle m'envoie, ce sont les médicaments qu'elle prend. C'est ça. Elle dit que son. Voilà tous les messages. Hein. Tous les messages. Hein. Tous les messages. Voilà ça. Après, elle m'a envoyé ça. Blanche épouse. Elle a changé parce qu'elle est bloquée. Elle a changé. Elle est venue ici là. Elle a fait. Je l'ai laissé même le message là-bas. Il pense qu'elle m'a bloqué. Elle dit qu'arrête de faire la folie sur le 9. Il y avait la photo d'abord là-bas. Elle m'a envoyé comment elle est belle. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous-même, dites-moi. Dites-moi, les gens. Dites-moi un peu. Ne montre pas ses enfants. Est-ce que ça fait quoi? Les enfants sont nus. Ses enfants sont très bien habillés. Tu me dis, ne montre pas. Je sais que c'est qui. Si c'est ta soeur, dis-lui qu'elle arrête de m'envoyer, de me traumatiser avec les voices. Vous aimez tout dire que ne montre pas les enfants. Les enfants sont très bien habillés. Je connais que c'est qui. Si c'est un membre de ta famille, dis-lui que qu'elle passe chez Borosangi. Tu sens que c'est une fille qui dort sur Facebook. Elle connaît tout. Elle parle. Compression et toi, vous croyez que quoi? Vous m'atteignez à quoi? Je suis une gonne chérie. Elle connaît les faux profils. Elle raconte que les choses de Facebook. Après, elle dit qu'elle est maintenant chez Perle de Luxe. Oh, c'est elle maintenant sa vraie fille. Elle quitte. Elle dit qu'elle est maintenant que Oulao. Que Natacha de Monaco. Elle quitte. Quand je vais vous faire écouter, j'ai seulement écouté un seul de ses voix. Je lui ai dit que ça va passer à Facebook. Elle a dit qu'elle sera blogueuse et que Dieu a parlé dans sa vie et qu'elle sera blogueuse et elle va nous dépasser, nous tous. Je ne comprends pas. Tu la connais très bien, maman. C'est qui comme ça, non? Evelyne, c'est qui? Hein, maman? Elle me dit que j'ai parlé d'elle sur Facebook. J'ai dit que, mamie, j'ai parlé quoi sur toi sur Facebook? Hein? J'ai parlé quoi sur toi? Elle dit que j'avais dit qu'elle a abandonné ses enfants en Espagne. J'ai dit que ah, c'est celle-ci qu'on avait enlevé les enfants en Espagne, les jumeaux en Espagne. Elle est passée en tant que blessée de guerre. C'est le gars qui est passé en blessée de guerre. Rodjan est parti, voilà une autre qui arrive. Péri. J'ai bloqué Rodjan partout. Voilà une autre qui atterrit dans ma vie. Ça s'est cramé. Si vous la connaissez, elle est dans les directs. Dites-lui que je ne fabrique plus Gunjor pour passer à la TV, la PDG TV. On paye les droits de passage comme dans toutes les télévisions. Oui, qu'elle paye le droit de passage. Je n'ai pas le temps à trop écouter. Pour rien. Mais comme c'est elle, elle cherche la fabrication. Je vais mettre ses voices. Tout le monde va écouter. Si vous pouvez l'aider dans la guérison. Je lui ai même fait un message. Un peu, mais rentre en psychiatrie. Va prendre tes médicaments. J'ai dit que donc c'est toi qui étais en psychiatrie avant. Hein? Maman va parler de Mathilde Bon quand j'aurai le temps. C'est une dame que j'ai pu rencontrer, sa copine. Sa meilleure amie était Joëlle Bron. Savait elle qu'elle marchait ensemble. Et je sais qu'elle sortait avec Awile Longumba. Elle faisait beaucoup les business. Avec beaucoup de filles. Et ils étaient ensemble. Et faisaient leur bisigo ensemble là-bas. Un jour, je leur ai vu dans un truc là. J'étais allée manger là-bas. Au restaurant que la soeur de Samuel. La soeur de Papa Eto gérait le restaurant avant à Paris là. J'ai oublié, voilà, ils ont le Molapota, c'est Molakota, Molatako. La maman, là, son fils avait le restaurant, ici, à Paris. Je crois que c'est là-bas qu'un jour, je suis allée là-bas, je les ai vus là, les deux. Moi, c'est la seule fois que j'ai vu Mathilde Bron là. Elle sortait de là. Elle sortait de là avec... elle sortait de là avec sa meilleure amie de l'époque. Après, ça, c'est une douleur. Il faut respecter la douleur des familles.
Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, bisous. Je vais manger. Bye.